Bonjour à toi et bienvenue au message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, dans l'acclamation à l'Évangile selon saint Jean, il est écrit « C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et dans l'Évangile, Jésus donne la parabole du maître qui a donné à 10 de ses serviteurs de l'argent, leur demandant de le faire fructifier. Tous l'ont fait, sauf le dernier serviteur qui, lui, a gardé l'argent parce qu'il avait peur de son maître. Et voyant cela, le maître lui a enlevé l'argent pour le donner à celui qui l'avait fait le plus fructifier. Le Seigneur fait la même chose avec nous. Il nous a choisis afin que nous portions du fruit. C'est tout un privilège. J'ai été choisi, tu as été choisi, et toi aussi tu as été choisi. Oui. Par le Seigneur. Mais comment faire pour porter du fruit? Il n'y a pas une recette unique pour porter du fruit, parce qu'on est tous différents. Il y a juste une Lise Carrier comme moi. Il y a juste un Georges Corbeil comme toi. Il y a juste quelqu'un comme toi. On est tout le monde, on est unique sur la terre. Alors, le Seigneur nous a donné à chacun des talents, des facilités uniques à nous. On en a tous, des talents. Le Seigneur nous demande de porter du fruit avec ça, avec nos talents, pour partager aux autres, puis non pas pour le garder pour nous. Alors, ça peut être des talents en cuisine, comment ça peut aider au niveau de la famille, au niveau de nos proches, aller aider dans les communautés aussi, à cuisiner pour d'autres. Ça peut être des talents en construction, des talents d'orateur, pour être capable de lire à l'église ou faire la lecture pour des livres audio. Ou ça peut être des talents de toutes sortes. Il y a des talents partout. Il s'agit, par exemple, qu'on sache quel talent nous, on a. Puis, il n'y a pas dans les talents une progression comme on est habitué au travail ou dans la société. Tu sais, comme en gradation de plus et de moins. C'est pas comme ça, les talents, que ça se déploie. Ça se déploie, je dirais, comme un éventail. Ouais. Tu sais, comme toi, Georges, tu as des talents au niveau de la musique, du chant, en montage vidéo, pour le son. Tu as beaucoup de talents, même dans la construction. Tu répares beaucoup de choses. Je me débrouille. Puis toi, Lise, tu as toutes sortes de talents aussi, hein, des talents en cuisine, hein, des talents d'écoute, une bonne écoute et de bons conseils. T'es un bon soutien pour les autres. Mais toi, les talents de Georges, voyez-vous, sont plus visibles que les miens. Parce que moi, je suis plus en soutien que par mes talents qu'à l'avant, la scène. Par contre, j'ai jamais vu ça comme étant un plus et un moins. Puis un jour, quelqu'un m'a demandé comment je vivais ça d'être plus en retrait, d'être dans l'ombre de Georges. Là, ça m'a surpris parce que je me suis jamais vue sentie dans l'ombre de Georges, ni dans l'ombre de quiconque, parce que je suis née. Alors, ce que j'ai répondu à la personne, c'est parce que dans les talents qu'on a complémentaires, il y en a des plus visibles, des moins visibles, mais il n'y a pas de plus ni de moins. Seigneur, lui, il calcule pas. Il n'est pas arithmétique comme ça pour calculer le plus et le moins. Je me souviens, moi, quand on a commencé à aller à Myriam, c'est plus moi qui étais dans l'ombre de Lise, parce que Lise est plus sociale que moi. Elle a plus de facilité que moi à aller vers les autres. Elle est plus avenante. Moi, j'étais plus timide, réservé. J'étais plus. Alors, je marchais un petit peu derrière elle, puis je me sentais plus dans l'ombre de Lise. Alors, tu sais, ça, dans le fond, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Okay. Puis développer nos talents, ce que ça signifie, c'est que Georges, il avait des talents en musique, mais il jouait chez nous. Moi, j'en profitais. Notre famille en profitait, mais c'était tout. Par la gêne, hein, tu voulais pas trop être au devant. Puis, à un moment donné, tu as commencé tranquillement à offrir un peu tes services pour le soutien dans le champ des évangélisations. Et comme ça, hein, le Seigneur a travaillé la timidité. Puis, il a permis que ses talents servent à beaucoup plus de gens. Ouais. C'est la même chose pour moi, la cuisine, j'ai toujours cuisiné. Mais là, cuisiner pour des communautés, cuisiner pour des groupes de prière et tout ça, c'est autre chose, là. Ils vont s'aimer ça, d'un coup que c'est pas très bon, d'un coup je le rate. Il faut aller au-delà de ça. Il faut sortir de notre coquille pour aller vers les autres. Ouais. Pour exporter nos talents. Oui, ben, y a des gens qui sont bons pour ça. Il y en a qui sont bons pour enseigner, hein, d'autres qui sont meilleurs pour écouter. Il y a toutes sortes de talents. Mais tu sais, pour le Seigneur, il n'y a pas de gros talents et de petits talents. Il n'y a que des talents.
Puis les grands talents, pour que les grands talents puissent s'exprimer, ça prend des petits talents aussi. Si les petits talents ne sont pas là, les gros talents vont s'effondrer. Puis c'est l'inverse aussi. Si on a juste des petits talents, on n'arrivera pas à faire de grandes choses. Alors, le Seigneur a besoin des grands talents, des petits talents, puis des moyens talents, puis des talents qui varient, puis il donne des talents à tout le monde pour être... Alors, c'est comme ça qu'on arrive à faire l'unité, qu'on arrive à faire à vivre la communion. Tout ça dans l'amour. À faire fructifier. À faire fructifier, oui. Mais toi, là, savais-tu que c'est impossible que tu n'aies aucun talent? Si jamais tu te dis, là, chez toi, moi, j'ai pas grand talent, ben, prends le temps de demander au Seigneur, hein, dites-moi donc les talents que j'ai. Vu que là, il n'y a plus de grains et de petits talents, il y a juste des talents. Ou demande à quelqu'un proche de toi, c'est quoi, moi, mes talents? Qu'est-ce que j'ai, moi, à apporter là, aux autres que je pourrais faire fructifier? Parce que comme le serviteur, si on a notre talent, on le garde, qu'on ne le ferait pas fructifier, il donnera rien. C'est ça. Alors, il faut vraiment faire fructifier nos talents. Donc, la première chose à faire, c'est de l'identifier, la première étape. C'est quoi mes talents? Puis la deuxième étape, je te dirais que il faut accepter de se dépasser. Hein? Souvent, le Seigneur va nous demander de sortir un peu de notre zone de confort. C'est pas toujours facile, mais il faut sortir de sa zone de confort pour aller vers les autres, pour se mettre au service des autres. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que le Seigneur nous donne les grâces qu'on a besoin pour le faire. Il nous donne le talent, puis il nous donne des ailes pour qu'on puisse aller vers les autres, pour faire fructifier nos talents. Puis des fois, on est surpris de comment on reçoit cette belle grâce-là du Seigneur pour nous aider à surpasser toutes les entraves qu'on pourrait se mettre qui nous empêcheraient de développer nos talents. Le Seigneur là-dessus est avec nous, puis il nous aide, puis il nous donne les grâces qu'il faut au bon moment. Puis si là, tu penses que tu n'as pas de talent à donner aux autres, parce que tu es plus isolé, tu es plus malade, tu es à la maison... tu as des jeunes enfants, donc tu t'occupes des enfants, on peut pas toujours, dans les périodes de notre vie, être au service de l'autre. On n'a pas toujours les bras, la force physique qu'il nous faut, la santé, etc. Mais l'importance que tu pries pour les autres, ce soutien-là de prière, c'est un talent extraordinaire. Il faut jamais, jamais, jamais penser qu'on n'a pas de talent. Jamais. Jamais. Alors, pense à tes talents. Remercions le Seigneur aussi des talents qu'il t'a donnés, qu'il nous a donnés. Oui, puis émerveillons-nous du talent des autres aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas de comparaison dans les talents. Ça n'existe pas. C'est juste des merveilles. Oui. Alors, prions ensemble. Merci Seigneur pour tous les talents que tu nous as donnés. Et merci de marcher avec nous pour que nous allions à la rencontre de nos frères et sœurs pour porter du fruit. Amen. Amen. Alors, on te souhaite de passer une très belle journée remplie de talents. Oui, et au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.